Voilà. Donc, à ce moment-là, on se demande ce qui se passe dans la tête de Amadou Damaro Camara par rapport à. Il est en train de plaider pour les détenus. Et puis, il a aussi parlé des jeunes. Il faut que les jeunes prennent leur destin en main et patati et patata et tout ce que vous savez. Moi, ce qu'il a dit, ce n'est même pas tout cela que je vais vous répéter. Vous allez faire vos recherches et puis voir ce qu'il a dit. Mais les deux points que je veux vous expliquer, c'est que subitement, là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez? Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, à l'Assemblée, il y a, dans l'intervalle d'une semaine, je crois bien, en tout cas, ça ne fait pas 10 jours, ça ne fait pas 2 semaines, ça c'est clair, qu'il y a eu beaucoup de disputes à l'Assemblée et tout, se sont mis à se disputer comme des enfants. Et juste après ça, lui, il se met à plaider pour les prisonniers détenus politiques, tandis que ce sont des gens qui avaient dit qu'il n'y avait pas de détenus politiques en Guinée. Donc, brusquement, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que ce monsieur-là se croyait peut-être intouchable, peut-être se pensait qu'il était au-dessus de tout et qu'il voit que subitement, on commence à faire attention à lui sur certains points. Nous le savons très, très bien, logiquement, s'il y a mort, s'il y a décès du grimpeur, si Alpha Condé décède entre-temps, si c'est comme c'est un pays où il n'y a pas de loi, parce que déjà tout ce qui se passe n'est pas normal, sinon dans un pays normal, c'est Damaro qui le remplacerait normalement. Donc je pense que peut-être que, mais ça c'est quand il meurt. C'est quand il meurt. Si il mourait. Voilà. Mais je pense que peut-être que cela commence il commence peut-être à montrer un peu trop ses ambitions. Il faut comprendre, Alpha, il veut mourir au pouvoir. Hein. Mais maintenant, qui va le remplacer? Ça, c'est notre problème. S'il sait celui qui veut le remplacer, je pense que même si c'est vous, vous allez vous dire, mais celui-là, il est peut-être capable de me tuer, peut-être celui-là, il peut avoir la possibilité de raccourcir ma vie. Mieux, s'il meurt plus tôt, mieux c'est pour Damaro. Donc ça, c'est tout à fait humain et logique que Alpha se mette à se méfier de lui et essaie de le liquider. Maintenant, si Damaro se sent en danger, peut-être où? Se rend compte que son plan commence à être démasqué et que son plan commence à vraiment déranger, il peut avoir un pied par là, un pied par là, pour se dire que, ah, le bateau dans lequel on est là, au cas où tout est possible, il faut avoir un plan A et un plan B. Donc, la certitude commence à baisser et puis il se dit, ah, au cas où, donc je vais commencer à défendre un peu la vérité. C'est politique, ce n'est pas. Je ne pense pas que ce soit par gentillesse, je ne pense pas que ce soit anodin. Voilà, je pense que c'est tout simplement politique et que là, cette assemblée n'est pas du tout reconnue. On le sait bien au niveau international, c'est très, très compliqué. Ce sont des gens qui sont en train de se dire que depuis très, très longtemps, ils disent, oui, on est souverain, on s'en fout des Occidentaux, mais nous savons qu'ils ont tous des maisons par ici, ils ont leur famille, en tout cas, ils ont une partie de leur famille, même quand. Même si c'est pas toute la famille, donc les Occidentaux, ça peut jouer, ça peut les déranger, même s'ils font semblant que ça ne les dérange pas, il faut pas se leurrer. Donc à ce moment-là, peut-être que le problème aujourd'hui, c'est cette élection et ces prisonniers. Les prisonniers, qu'on le veuille ou non, les prisonniers sont liés aux élections qui se sont passées dernièrement et que on sait très bien ce qui s'est passé. C'est pas le sujet du jour. Donc si ils commencent à comment on appelle ça, à penser aux jeunes, à penser aux jeunes dans ses discours, à penser aux détenus politiques, déjà reconnaître, ça veut dire qu'il commence à reconnaître qu'il y a des détenus, tout cela peut aller en sa faveur. Vous savez, oui, il y a quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale est en train de penser à la jeunesse, il est en train de penser, lui au moins, il reconnaît qu'il y a des détenus politiques, c'est quelqu'un qui est en train de revenir au meilleur sentiment, c'est tout simplement politique. Donc, il faut faire très, très attention à ces gens-là. Et nous savons que la plupart, on se dit, oui, tous les partis politiques sont à base ethnique. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Nous le savons tous. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de mettre les cœurs. Attendez, il faut que je prenne mon petit cœur là, ici, pour ne pas que vous me coupez. Ou que
je coupe ce que je suis en train de lui, vous mettez les cœurs. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça lui donne une petite légitimité, non seulement au niveau de certains Guinéens qui sont faciles à berner, et puis, bon, les Occidentaux comprennent que c'est de la politique, mais bon, quoi qu'il en soit, ils vont se dire, ah, au moins lui, il est de bonne foi. Moi, ce que je vais dire, la politique guinéenne, dans la malhonnêteté qu'il y a dans cette politique, moi, je pense que ce monsieur Damaro, on sait qu'il les élections qui ont été jumelées pour cette histoire de constitution par laquelle il a été président de l'Assemblée, je crois bien, ça, nous savons tous comment ça s'est passé. Mais s'il y a la bonne volonté, il a pensé aux jeunes, selon ce qu'il dit dernièrement, les jeunes doivent prendre leur avenir en main, c'est un truc comme ça. Mais dans cette histoire de constitution qui avait changé, il y avait deux ou trois lois qui donnaient accès à la politique aux jeunes. Les jeunes auraient pu avoir l'accès à la politique. Mais ces deux lois, deux ou trois lois, ont été falsifiées. Mais Damaro était là. Moi, je pense que quelqu'un qui se soucie de la jeunesse, quelqu'un qui est là pour un avenir, pour se dire que, ah, même si aujourd'hui je ne peux rien faire, mais je peux, comment on appelle ça? Je peux caser les jeunes, je peux faire une couverture pour les jeunes. Voilà. Il aurait pu dire à ce moment-là, écoutez, il y a ces deux, trois lois qui ont été encore falsifiées. Il faut penser aux jeunes. Vous savez, comment il s'appelle? Quand Sarkozy a dit une fois que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire au Sénégal, les gens se sont fâchés. Mais c'est à cause des petites choses comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Des trucs tout bidons et inutiles, qu'on pense inutiles, qu'on rentre dans l'histoire. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il aurait pu le faire à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il avait son calcul. Se dire que, ah, moi, de toutes les façons, Alpha, il est très vieux, il n'a pas une santé, il a une santé fragile, ça c'est humain, ça c'est la logique. Au cas où il meurt, moi je serai président, pourquoi je vais me fatiguer pour des jeunes qui vont venir nous fatiguer ou qui vont venir nous mettre les bâtons dans les roues, qui n'ont pas d'expérience ou commencer à compliquer la situation. Moi je vais essayer de me débrouiller et de me positionner et de me pistonner tranquillement, facilement ici. Mais nous avons vu, je vous l'ai dit, c'était quand il y a quelques temps, que ce qui se passe aujourd'hui, aucun de nous n'a prévu ça, ni moi, ni vous. Donc, c'est pourquoi il faut être patient et continuer à se battre. Parce que je pense que lui aussi, ce qu'il avait prévu, ce n'est pas en train de se passer comme il l'avait imaginé. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne l'a pas prévu. Aujourd'hui, il se passe autre chose. Parce que nous allons revenir à ça. Excusez-moi. Je suis en direct là. Ok, je suis en direct. Merci. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il veut faire sa politique à lui, se dire qu'au cas où il y a changement dans l'histoire, on va se dire, ah, vous savez, ce monsieur-là, à un moment donné, il a dit ci, il a dit ça. Mais ce même monsieur l'a dit une fois que eux, ils n'ont pas peur de la guerre. Ce même monsieur avait parlé de l'axe une fois que sur l'axe en allant, il ne faut pas. Je n'ai même pas envie de reprendre tout ça parce que ce n'est pas ça le but. C'est tout simplement pour vous dire, quand je parle ici souvent, je dis aux gens, les propos que vous tenez, ça peut vous rattraper demain. Vous savez, tant que tu es opposé au système qui est en place, tu dis des choses aujourd'hui, ça ne passe pas. Mais demain, ça peut passer. Tout ce que nous on dit aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Hein? On a plus d'ennemis, on a peut-être beaucoup de problèmes certains, comme ceux qui sont en train de dire, il faut arrêter les blogueurs, il faut arrêter les activistes qui sont au Sénégal ou, je ne sais pas, en Guinée-Bissau. Bon, ce truc aussi est une autre histoire bidon. Je vais vous parler de ça rapidement tout à l'heure. Mais demain, nous nous serions vus d'une autre manière. Mais le Guinéen et l'Africain ne veulent pas prendre ce risque-là. Parce qu'il se dit aujourd'hui, je vais manger. Manger, ce n'est pas que l'argent. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages, même si ce n'est pas l'argent. Au moins, tu n'es pas emmerdé. Quand on voit les agis aujourd'hui, on voit d'autres personnes qui sont hors de la Guinée, ils ne sont pas chez eux. C'est quand même mieux qu'ils soient chez eux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça, ce sont des petits avantages qui peuvent être fatigués les gens. Qui peuvent fatiguer les gens, qui peuvent embêter les gens. Maintenant, il y a un autre sujet. Cette histoire de Mondim Touré, de Aminata Sylla et tout ça, il y a des gens qui se disent, oui, Alpha
Alpha, ce Mondim-là doit démissionner, ou je ne sais pas à qui doit démissionner, ou cette Aminata Sylla. Moi, j'ai tout simplement remarqué qu'elle a des faux cheveux. Quand je vous parle de cette histoire de faux cheveux, vous ne croyez pas, elles ont toutes des faux cheveux. Elles ne peuvent pas réfléchir correctement. Elles seront toujours dans des faux trucs. Je ne la connais pas et ce n'est pas ça le sujet. Moi, c'est ce qui m'a intriguée. C'est ça qui m'a. C'est ce qui a plus attiré mon attention. Qu'est-ce que les Africaines ont avec leur tête? Bon Dieu de bon sang! Est-ce qu'elles peuvent garder leur vraie tête et leurs vrais cheveux? Très important. Concernant Mwalim Touré, les gens ont parlé. Oui, un maître coranique, un chef coranique n'a pas sa bouche, ne doit pas parler de ces choses. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui est là, qui a la bouche dans les trucs de l'État. Moi, je veux dire à ces gens-là, vous savez la relation entre Mwalim Touré et Alpha, vous savez cela? Alors, renseignez-vous. C'est des gens très très proches ou c'est des gens qui ont été très très proches. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi Alpha a toujours de mauvaises fréquentations? Parce que ce sont ces mauvaises fréquentations-là qui le maintiennent. Les gens comme les Mwalim là, c'est eux qui peuvent maintenir quelqu'un comme Alpha. Donc pour vous, Mwalim ne vaut rien. Oui. Mais ceux qui sont avec Alpha, c'est les vauriens là, selon vous, qui font que Alpha il est là-bas. C'est ce genre de personnes qui peuvent soutenir Alpha. Donc, il faut comprendre ça. Vous savez, moi, je vous dis souvent, moi, je ne me fie pas à ce que Paul ou Pierre dit, à ce que les gens disent. Je fais mon analyse personnelle. Les gens veulent oublier qui se ressemble, ça semble. Ce genre de personnes, les gens qui n'ont pas été à l'école, moi, je ne critique pas les gens qui n'ont pas été à l'école parce que Allah peut donner le savoir et la connaissance. Maintenant, quand tu vas dans son sens à lui, cette connaissance est bien développée. Le problème de l'Africain est que quand il ne va pas à l'école, cette connaissance, il le met dans un autre sens, comme ceux-là, on les voit, ils sont en train de faire des trucs qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je veux vous rappeler que la question que vous devez vous poser, pourquoi il a sa bouche dans cette histoire, ou pourquoi il a la bouche dans les histoires du haut sommet de l'État, posez-vous la question, pourquoi Alpha a toujours ce genre de fréquentation? Il a ce genre de fréquentation parce que lui, il aime les gens qui disent oui à tout. C'est des gens qui ne vont pas le fatiguer. C'est des gens qui ne vont pas poser des problèmes ou des questions d'ordre intellectuel. Donc, lui, ça l'arrange. C'est vous qui êtes en train de. C'est certaines personnes qui sont en train de chercher le comment, le pourquoi. Ça, ce sont des gens qui ont fait des démarches au niveau de la basse-cote. Il ne faut pas oublier cela. Donc, si Alpha est là-bas aujourd'hui, ce monde-là et ces genres de monde-là, on leur parle dedans. Ils ont joué un rôle très important. Donc, peut-être pour certaines personnes aujourd'hui, parce que quand les gens sont arrivés là où ils pensent que c'est fini, comme là aujourd'hui, ces Mwalim-là sont des gens peut-être inutiles à leurs yeux. Mais je ne pense pas qu'il ait été inutile aux yeux de Alpha, parce que c'est lui qui fait les sacrifices, c'est lui qui va avoir certains marabouts, c'est lui qui fait certaines démarches à gauche et à droite. Et ces démarches-là font que ça consolide le pouvoir. Ça peut manipuler certaines personnes. Nous savons comment ça se passe. Ce sont des gens qui vont payer par-ci, par-là. Donc, c'est très important. Ce genre de personnes, c'est important pour Alpha. Ce n'est peut-être pas important pour nous autres que ça n'arrange pas. Ou ce n'est pas important pour certaines personnes de l'entourage de Alpha aujourd'hui qui se disent que l'affaire est réglée, un peu réglée, parce qu'on voit que le RPG arc-en-ciel est toujours en campagne. Pourtant, ils ont gagné les élections et Alpha est assez retourné. Donc, moi, je pense que c'est des gens comme nous, peut-être, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, qui doivent parler. Si tu as gagné, tu n'as rien à craindre. Tout ce que tu as fait, c'est de travailler et laisser les fous comme nous parler. Voilà, parce que peut-être nous, on n'est pas content ou peut-être que ça ne va pas dans notre tête. On va venir à Fode Ousso Fofana. Docteur Fode Ousso Fofana, il dit que même s'il doit perdre son œil, il ne demandera pardon à personne. C'est ce que moi je dis. Fode Ousso Fofana, c'est pas Kassori Fofana, hein. C'est pas Kassori Fofana, c'est Fode Ousso Fofana. Voilà. Ça, Fode Ousso Fofana, il se dit que, il se demande qu'est-ce qu'il a fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il est vice-président ou l'un des vice-présidents. En tout cas, il est bien placé au sein de l'UFDG et je pense pas qu'il y ait ce poste-là. Au RPG, je ne crois pas parce que c'est un parti, il n'y a jamais de congrès. C'est Alpha qui est là depuis que le RPG est RPG, donc voilà. Et Fode Ousso a commis un crime. Le crime est qu'il soit vraiment quelqu'un, un pilier d'un parti
politique qu'on taxe de partis communautaires, de partis ethniques. Mais il n'est pas peu. Donc ça, c'est un crime. Quelqu'un comme Fodé Woussou, il faut le faire regretter. Qu'est-ce qu'il fait avec le peuple? Qu'est-ce qu'il fait derrière le peuple? Vous comprenez? Je vous ai dit, Alpha, c'est comme une fille de quartier. C'est les petites choses-là qui le dérangent. Voilà. Et il dit que les militants de l'UFDG ont voulu cotiser et tout. En tant que médecin, il sait que c'est impossible. Nous savons que c'est impossible, mais il est content de ça. Vous vous imaginez ce que ça peut faire à Alpha ou à d'autres personnes que les gens de l'UFDG puissent penser à cela, tellement ils tiennent à ce monsieur qui n'est pas peu. Ils tiennent à ce monsieur qui n'est pas peu. Ils veulent récompenser ce monsieur qui n'est pas peu. Ils veulent grandir ce monsieur qui n'est pas peu que Alpha veut mettre à terre. Mais Fodé Woussou Fofana, ce n'est pas Kassourou Fofana. Fodé Woussou Fofana, c'est ce qu'il veut. S'il ne sait pas ce qu'il veut, ah, je pense qu'il a une position quand même assez claire et il a parfaitement raison. Il faut patienter. Les choses vont sortir. C'est des histoires, des petites choses qui vont tomber, 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 jusqu'à ce que tout tombe. Si vous pensez que tout va tomber d'un coup, ça c'est un autre débat. Mais je pense, moi je pense que ce qui se passe, la façon dont ça se passe, personne ne l'a imaginé. Celui qui vous dit qu'il a imaginé tout cela, il ment. Peut-être qu'il a imaginé 10 ou 15% de ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas les cœurs, s'il vous plaît. Maintenant, Alpha Condé refuse, ou en tout cas, il est derrière tout ça, nous le savons. Mais les gens oublient que Alpha avait refusé à Tibou Camara de venir au décès de son père, quand son père est décédé. Alpha a refusé cela. Mais il est avec le Tibou Camara là aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'un de ses griots. Donc, c'est une habitude des faits. Mais comme les Guinéens n'ont pas de décision ferme, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est pourquoi ils continuent dans ce sens. Donc, l'UFDG et ses militants et les sympathisants. Et aujourd'hui, parce que moi, ça, c'est moi qui pense ça, qu'aujourd'hui, il n'y a aucune autre porte de sortie politique officielle et légale si ce n'est pas l'UFDG. Si ce n'est pas réclamer la victoire de Senghor Kassirga. Ça, c'est moi qui pense ça. D'autres personnes ont d'autres solutions. Ça, c'est leur droit. Donc, tout ce qui va donner de la force à ça, lui, il veut casser ça. Essayer d'humilier les gens. Mais si Fodé Woussou est prêt à perdre un œil, et je sens qu'il est sincère, ça peut peut-être changer demain. Ça, c'est le niveau de degré de foi qui peut faire ça à un être humain. Oui. Tu dis qu'il y a un Dieu, une voix. Il peut faire sa justice à lui. Et pour faire cette justice, il faut du temps. C'est Allah qui lui a donné les yeux. Voilà. Donc, à part cela, nous avons cette histoire de manifestation. Je vais revenir dessus. Il faut que l'UFDG comprenne une chose et les militants. Il y a des gens qui veulent la manifestation. Tous ceux qui sont autour de Alpha, là, qui veulent sa place. Damaro n'est pas seul. Il y a Damaro, il y a Kassori, il y a plusieurs groupes. Vous le savez, on ne va pas revenir sur ça pour ne pas trop rallonger. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît, et mettez les cœurs. Voilà. Toutes ces personnes-là qui sont là veulent des manifestations. Mais il n'y a aucun parti politique qui peut organiser de manifestations en Guinée sans l'UFDG. Moi, je veux que l'UFDG et ses militants comprennent et que CDD comprennent. Celui qui veut manifester, organise la manifestation. C'est-à-dire, ils veulent profiter de la manifestation de l'UFDG. Oui. Tout le combat que l'UFDG mène, eux aussi, ça les arrange. Parce que ça affaiblit Alpha. Mais eux, ils ne veulent pas se battre officiellement et, ou officieusement contre Alpha. Ils veulent profiter derrière, tranquille. Quelquefois, ils passent par des gens à gauche, à droite. Quand vous dites qu'ils ont des taupes, pour venir monter les gens, ah, il faut faire ci, indirectement, ah, il faut faire des manifestations. Ils sont en train de dire que vous avez peur. Ils sont. Non, non, non. Les urnes ont parlé. Aujourd'hui, quiconque veut mener un combat en Guinée, dans le sens politique, associé à l'UFDG, l'UFDG doit dire à ces gens-là que aidez-moi à récupérer ma victoire. C'est ça l'actualité pour l'UFDG. Tout le reste là vient accompagner ça. Parce que quand j'ai dit que c'est l'actualité pour la Guinée, il y a des gens que ça n'arrange pas. Eux, là aussi, c'est leur droit. Mais je pense que
dire que on va s'associer à l'UFDG. Nous allons faire ça avec l'UFDG. Nous allons manifester avec l'UFDG. Oui, vous allez manifester pourquoi? Vous allez manifester pourquoi si ce n'est pas pour réclamer la victoire? Maintenant, ceux qui veulent une manifestation pour venir gratter derrière parce qu'ils n'ont pas de cœur, parce qu'ils n'ont pas de force, parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté, ils veulent attendre que l'UFDG se lève, ils vont jouer sur les deux terrains. Et en même temps, dire de l'autre côté que, ah, vous voyez, ils ont encore commencé. Voilà, ceci, c'est ça. Ramener ça comme eux le veulent. Donc, ils vont faire d'une pierre deux coups. Il faut faire très, très attention. Prendre le temps et être patient pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est la patience qui a fait cela. Imaginez-vous, je vous l'ai déjà dit, avec les arrestations qu'il y a eu, avec la chasse aux sorcières qu'il y a eu, avec tout ce qui s'est passé. L'UFDG allait faire marche arrière. Aujourd'hui, on allait parler d'autre chose. On allait parler d'autre chose. Mais aujourd'hui, on est toujours en train de parler de ces élections. Et on donne du travail, même aux réseaux sociaux, on donne du travail aux bons à rien qui sont payés à ne rien foutre, aux étouffeurs de vérité et aux cacheurs de vérité. Les gens qui sont payés pour étouffer la vérité, les gens qui sont payés pour cacher la vérité. Donc, il faut que la vérité insiste. La vérité doit être patiente. La vérité doit être patiente pour s'imposer. Parce que le mensonge court très vite. Le mensonge est très, très rapide. Mais si la vérité ne court pas derrière le mensonge triomphe. Si la vérité n'est pas patiente, le mensonge triomphe et le mensonge pense après, le menteur pense après que c'est lui qui a raison. Donc, je l'ai dit, pourquoi Alpha veut étouffer les réseaux sociaux? Je vous ai dit cela plusieurs fois. De ne pas négliger les réseaux sociaux. Je vous ai dit, quand ils ont arrêté les Madik et tous les autres, toutes ces personnes qui ont été arrêtées, la plupart ont une notoriété sur les réseaux sociaux. Et Alpha le sait, ils le savent tous. On a vu que ces derniers temps, ils ont essayé de payer des gens, ils ont essayé de menacer les gens à gauche, à droite, par-ci, par-là. Vous êtes au courant de cela? C'est pour que les gens arrêtent. Et eux veulent, ils veulent contrôler les réseaux sociaux. Oui, ça me fait rire plus que tout, quoi. Ils veulent contrôler les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous autres, nos pages ont des restrictions. Plusieurs personnes ont des restrictions sur les pages pour les décourager, pour ne pas donner des nouvelles, pour ne pas que les gens soient au courant de la vérité. Le mensonge va s'imposer. Les gens vont aller dans ce sens du mensonge. Ça, c'est leur plan à eux. Mais mes frères et sœurs, il y aura beaucoup de surprises, Inch'Allah. Il y aura énormément de surprises. Énormément de surprises. Plein de surprises. Plein de surprises. Rassurez-vous. Donc, ne vous découragez pas. C'est le menteur qui se cache. C'est le menteur qui panique. Celui qui est dans le sens de la vérité, tu dois être patient et endurant. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Le menteur est là quand il parle sur la vidéo, la bouche tremble. Il est stressé, il cogite. Dès que moi, je vais finir là, il faut effacer ce que Marie Sissoko a fait. Moi, les gens auxquels je m'adresse, ils me regardent. Si j'ai 10 personnes qui me regardent, ceux auxquels je m'adresse, ils sont parmi les 10. Donc, c'est vous qui avez du travail. Quand tu es là pour étouffer la vérité, tu vas transpirer tous les jours. Non, c'est parce que j'ai fait ça, c'est pas bon. Non, il faut que je fasse comme si tu es toujours en train de chercher quoi faire pour que tu étouffes cette vérité-là. Si cette vérité, si ce mensonge-là avait de la force, on n'allait même pas arriver là. On n'allait plus parler de ça. Donc, moi, je vais vous dire de prendre le courage, de ne pas vous décourager. Tout ce qui se passe, vous voyez, je vais vous dire un petit exemple. Voilà. L'interview de CDD, je vais un peu brosser ça, survoler ça rapidement. C'était une interview incroyable. Moi, j'ai regardé jusqu'à la fin, c'était 1 heure et quelques, mais j'ai tout regardé. Déjà, ceux qui m'ont envoyé la vidéo, c'est des gens qui n'envoient pas n'importe quoi. J'ai complètement tout regardé. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui.
qui a pris énormément d'assurance. Vous voyez, vous savez, quand vous êtes dans le sens de la vérité, vous êtes sûr de vous. Vous n'avez pas peur. Quand tu es dans le sens de la vérité, il faut être patient, cohérent et droit dans tes bottes et ne pas capituler, rester sur ta position. Être très ferme. Il était très ferme, très cohérent. Il a fait beaucoup de révélations, comme par exemple pour dire que à un moment donné, beaucoup de personnes avaient quitté le RPG, beaucoup de piliers du RPG avaient quitté le RPG. Je pense une dizaine de personnes. Je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais nous, on ne savait pas cela. Le fait qu'on dise qu'il a été le meilleur investisseur au Sénégal, il a parlé de cela aussi. Il dit qu'il a eu un prix par rapport à l'attitude qu'il a eue par rapport à la paix. Les gens ont falsifié cela. Mais c'est des nefs pour mentir. Les nefs pour mentir sont devenus payés pour mentir. On le sait, ce n'est pas caché. Mais il faut être patient et endurant. Je vous dis que ce qui m'encourage sur la lancée dans laquelle je me trouve, c'est que toutes, moi, mes connaissances personnelles qui soutiennent ce qui se passe aujourd'hui n'ont jamais soutenu la vérité, n'ont jamais gagné du combat. Après 10 ou 20 ans, on se retrouve toujours dans la honte. Donc, moi, ça me conforte dans ma position. Il n'y a que des malhonnêtes avec Alpha. Alpha n'a pas de bonne fréquentation. Tu es quelqu'un de bien. Tu rencontres Alpha. Je vous ai déjà dit, moi, j'ai rencontré Alpha. Il m'a accordé des heures. Je ne faisais pas de direct en ce moment-là. Écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez très bien. Je ne faisais pas de direct à ce moment-là. Mais il n'a pas pensé que c'est moi qui allais faire des directs aujourd'hui. Parce que Allah a vu que ce n'est pas quelqu'un de bien. Pourtant, je n'étais même pas voilée. En ce moment, je ne priais même pas. Je ne jeûnais même pas. Donc, il y a des gens qui disent des choses, ce n'est pas eux. Ils servent Satan. Quand tu sers Satan, tu es avec le satanique. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Sinon, moi, aller à la rencontre de Alpha. Il m'accorde des heures. Aujourd'hui, me voilà. Vous voyez, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Les gens anticipent leur destin parce qu'ils sont pressés. Oui, parce qu'ils ne sont pas patients. Aujourd'hui, les gens me disent qu'Alpha regarde tes vidéos parce qu'ils ne savent pas, lui et moi, la relation qu'on a. Qu'Alpha regarde les vidéos de la dame qui est en France voilée là, ça l'énerve plus que toutes les autres vidéos. Parce qu'ils se disent, celle-là est venue jusqu'ici, la voilà aujourd'hui. C'est Allah qui veut montrer sa force pour dire, si je veux te faire tomber, la personne qui te fera tomber sera sous ton nez. Tu ne verras pas la personne. Si moi, je ne veux pas. Si cette personne est ma personne. Moi, je suis quelqu'un que Allah aime énormément. Je vous ai déjà dit, imaginez-moi en train de défendre quelqu'un comme un alpha sur les réseaux sociaux. C'est sans commentaire. Mais Dieu, lui, l'a vu aujourd'hui. Il a vu ma volonté. Il a vu ma foi. Il ne veut pas que je sois sale dans l'avenir. Mon domaine, là. C'est ce qui l'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Mais il m'a tout simplement montré que, et montré à Alpha, la dame là, tu vas la rencontrer, elle va venir sous ton nez, passer foup. Donc je sais de quoi je parle. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas se presser. Moi, je suis quelqu'un de très, 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 très patiente. Énormément patiente, je vous le dis, énormément patiente. Ça, c'est une de mes forces. Moi, je ne me presse pas. Tout ce que je veux savoir dans ce que je suis, est-ce que je suis dans mes droits déjà? Les êtres humains peuvent ne pas reconnaître tes droits. Mais Allah, lui, il te voit. Il veut voir jusqu'où tu veux aller. Peut-être Allah a vu cette dame-là, est-ce qu'elle veut se battre pour moi? Ou elle veut de l'argent. Il a calculé. Allah, il a vu. Et il m'a mis là où je dois être mise. C'est tout.
Donc, quand moi je vois des gens ici raconter des sottises, je les regarde. Je dis, ça fait pitié. C'est pitoyable. C'est très, très pitoyable. Mais avec l'avenir, nous allons voir. Tout cela va sortir. Un jour. Inch'Allah. Aujourd'hui, Damaro parle des détenus politiques. Tandis qu'il n'y avait pas de détenus politiques, il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, il parle des détenus politiques. Il aurait pu défendre ces deux, trois lois pour les agréments, pour l'argent, la caution qu'il faut payer. Cela a été falsifié. Ce n'est pas la constitution qu'on a votée. Ça, c'était son travail à lui. Mais ça ne l'arrangeait pas à ce moment-là. Mais aujourd'hui, est-ce que ça l'arrange toujours? Il faut aller du côté de la vérité. C'est la meilleure des choses. Tu vas du côté de la vérité. Si tu n'es pas habitué à la vérité, ça peut te fatiguer. Mais quand tu es habitué à la vérité, c'est banal. C'est une banalité pour toi. Donc, ce que moi, je vais vous dire de continuer à riposter cette histoire de réseaux sociaux, proposer de l'argent aux gens à gauche, à droite. Mais les gens, peut-être, auxquels ils proposent de l'argent, ce ne sont pas ceux-là. Quand on dit que ce sont les réseaux sociaux. Ils le disent depuis très longtemps. Alpha le sait. Ce sont les réseaux sociaux qui vont faire tomber ce régime. La base va venir des réseaux sociaux. Mais je vous le dis souvent, un clic. Un clic. Un clic. Si ce n'est pas Dieu qui sauve l'humanité, un clic peut faire balancer l'humanité. Un clic. Mais la Guinée est trop petite dans ça. Je vous le dis régulièrement. Mais quelquefois, les gens veulent qu'on rentre toujours dans les détails. Non, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. On peut parler à demi-mot. Vous êtes tous des adultes. Vous essayez de comprendre ce que je veux dire en fin de compte, le reste. Et puis vous analysez et vous réfléchissez tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est forcément connu. Ça ne veut pas dire que peut-être que la personne est déjà là ou qu'elle n'est pas là. Peut-être que cette personne n'est même pas encore sur les réseaux sociaux. Peut-être que cette personne va appeler quelqu'un un jour. Dire à la personne, quelqu'un qui fait des vidéos, dit cela. La personne dit ça. Et puis, bam, ça fait changer les choses. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de la personne qui est sur les réseaux sociaux. Mais on est passé par cette personne. Ce n'est pas son idée. Ça, c'est des trucs que les chayatines ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir tous ces détails-là. Donc, il faut aller à gauche, à droite, les gens qui sont connus. Les gens qui ont beaucoup de vues, les gens qui peuvent étouffer, les gens, si je vous dis, les gens que ces hommes politiques-là regardent, c'est les gens qui ne sont même pas suivis, en général. Ce n'est pas les plus suivis qu'ils prennent leurs conseils. Non. Vous avez vu cette histoire du nouveau gouvernement, son gouvernement de fripouilles, de délinquants politiques-là, comme CDD, ce qu'il a dit dans son. L'interview, c'était magnifique, c'était super. C'était super. Il faut savoir dans la vie ce que tu ne veux pas. Si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir que ça, quand même, je ne le veux pas. Voilà. Donc, c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça pour l'instant. Donc, cette histoire des réseaux sociaux, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui n'est même pas encore là. Ils ont proposé de l'argent à un tel, à un tel, à un ci, à un ça. On menace un tel, on menace un tel. Peut-être que la personne est là. Peut-être que la personne n'est pas encore sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on en sait? Quelle méthode la personne va employer? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais ça, c'est clair pour eux. Mais moi, j'ai gagné les élections. Je suis, comme ils aiment le dire, il est assez entouré, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu cherches à maîtriser les réseaux sociaux? Sincèrement, quelqu'un peut maîtriser les réseaux sociaux? En plus dans le mensonge, mais peut-être que vous cherchez à maîtriser les réseaux sociaux, mais peut-être que cette personne est déjà sur une autre phase. Ça, vous ne le savez pas. Moi, il y a 2 ans, Alpha n'a pas imaginé ça. Ce qui se passe aujourd'hui, il n'a pas imaginé ça pour moi de ma part, non? Ce n'est pas une trahison, ce n'est rien du tout. J'ai été le voir, c'était très clair. Ça concernait la Guinée, point, c'est tout. Peut-être qu'il ne m'a pas fait confiance à ce moment-là. Vous voyez? Mais ça, c'est qui ne voulait pas que je m'associe à cette fripouille-là. C'est tout. C'est tout. Si je veux rencontrer n'importe quel homme politique, je le rencontrerai. Mashallah, ça c'est la grâce d'Allah. Ça c'est comme ça.
Ça, c'est mon étoile. Ça, c'est mon âme. Si je vous parle ici, c'est parce que je n'ai pas 50 000 routes pour vous joindre, pour vous parler. Il n'y a que ça pour l'instant. Il n'y a que ça. Je peux garder tout ce que j'ai à vous dire, même si ce n'est pas important, et un de ces jours vous dire, ah, moi, j'avais pensé ça. Vous allez dire, ah, mais pourquoi tu n'as pas dit? Ah, moi, je soutenais ça. Moi, je soutenais, même si je ne suis pas de l'UFDG, je soutenais que c'est d'aider à gagner les élections. Vous allez me dire, mais ça ne va pas. Il faut, même si tu as une vidéo de 5 vues, il fallait voir la vidéo, elle est où? Donc, ça, c'est des pièces à conviction. Ça, ce sont des preuves. Voilà. Donc, je ne sais pas si certaines personnes veulent intervenir. C'est le même numéro que d'habitude si vous ne voulez pas intervenir parce qu'il y a un match. Moi, je n'ai pas oublié. Il paraît qu'il y a Italie, je ne sais pas quoi là. Donc, après, si vous voulez dire deux, trois mots, Parole. c'est le même numéro que d'habitude. Si vous n'avez pas le temps, ah ben, voilà, c'est le 06 27 85 89 96 pour ceux qui sont en France. Et ceux qui sont hors de la France sur WhatsApp, ça sera le 00 33 6 27 85 89 96. Donc le 06 27 85 89 96 pour les Français, ceux qui sont en France, pour les compatriotes du Grimpeur. Et ceux qui sont hors de la France, ce sera le 00 33 6 27 85 89 96. Donc voilà. En gros, c'était ça. Si vous voulez intervenir, je vais attendre un peu. Si vous ne voulez pas intervenir, je vais vous laisser parce que j'ai des trucs à faire.